ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Le prochain hadith est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Shaytan se présente à l'un de vous et le pousse à se questionner. Qui a créé telle chose? Qui a créé telle chose? » Jusqu'à ce qu'il le pousse à se demander « Qui a créé Allah ?» Si le croyant en arrive là, qu'il se réfugie auprès d'Allah contre Shaytan, le maudit, et mette un terme à cette réflexion, apportée par Al-Bukhari aussi. Dans une autre variante, qui est rapporté par l'imam Ahmed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il dise « J'ai cru en Allah et en ses messagers ». Dans une autre variante de l'imam Muslim, il a dit « Les gens ne cessent de se poser des questions jusqu'à en arriver à se demander qui a créé Allah ». Ce hadith, il parle du waswas, les insufflations et les incitations de Shaytan. Et ici, il parle de la plus grande forme de waswas, qui est le waswas concernant les ambiguïtés dans la croyance. Effectivement, le shaytan a juré à Allah, et il a juré par Allah d'ailleurs, même shaytan n'a pas juré par autre qu'Allah, qu'il fera tout pour faire perdre la race humaine, les descendants d'Adam. Car il est un ennemi pour Adam alayhi salam et sa descendance. Et Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, Subhanahu wa ta'ala. Il a voulu que cette terre, elle soit une terre d'épreuve pour voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Et il a voulu, subhanahu wa ta'ala, que cette épreuve soit faite, qu'il y ait des gens du bien et du mal, et qu'il nous ait fait les uns les autres des tentations les uns pour les autres. Et il a voulu, subhanahu wa ta'ala, laisser cette période à Shaytan pour qu'il fasse l'effort sur les croyants en affirmant qu'il n'aura pas de pouvoir sur les serviteurs d'Allah sincères. Donc, le shaytan vient ramener des ambiguïtés, des inspirations dangereuses, mettre le doute sur la foi, sur l'au-delà, poser des questions jusqu'à ce qu'ils se demandent cette question. On trouve, subhanallah, beaucoup de frères et de sœurs nous contactent à cause de cela. Ils ont des waswas. Dans plusieurs choses, que ce soit dans la foi, dans les adorations, dans les ablutions, la salat, par rapport à leur relation avec les gens. Ah oui, mais lui m'a regardé, oui, il a parlé avec moi. Ah non, il est paranoïaque. Les inspirations de shaytan, elles peuvent être aussi venues ramenées par des shayatines hommes, pas seulement par des shayatines djinns. Un athée, un kafir, qui vient te mettre des ambiguïtés sur ta foi. Te dit oui, mais si, oui, mais ça. D'ailleurs, entre parenthèses, pour montrer le danger de mettre ses enfants dans les mains des gens qui ne sont pas de confiance, je connais un frère avec qui j'ai fait le pèlerinage à plusieurs reprises, dont sa fille allait à l'école. Dans un cours, il en est venu à parler d'Allah, comme ils disent, de Dieu. Et une fille de 11 ans. Et, subhanallah, le professeur, il lui a dit une parole qui lui a mis un doute sur sa foi. Une seule parole. À cause de cette parole, la fille, elle a mis des années à se débarrasser de ce doute. Elle avait des doutes sur tout l'islam. Donc, subhanallah, des shayatines, hommes et djinns, il y en a, qui viennent ramener des ambiguïtés, des doutes, essayer d'ébranler la foi du croyant, des doutes, que ce soit des ambiguïtés, comme je vous ai dit, dans la foi, ou bien des doutes dans les adorations. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné le remède. Il nous a informé de cette réalité, puis il nous a donné le remède à cette réalité, à ce mal. Il a dit la première des choses, qu'il arrête de penser à ça. Allah tabaraka wa ta'ala ne reprend pas une personne tant qu'il n'a pas parlé ou tant qu'il n'a pas agi. Donc les insufflations et les inspirations qui viennent de Shaytan, tant que la personne ne les a pas acceptées et ne les a pas suivies et ne les a pas agréées, elles ne le nuisent pas. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le problème, il est quand la personne suit ses idées, qu'il commence à penser à cela. Il suit ces insufflations-là et il commence à les agréer et les accepter. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a mis une limite à toute chose sur cette terre. Il y a une limite dans la compréhension que l'homme ne peut dépasser. Et s'il tente à le dépasser,
alors il se met dans le danger. L'homme qui est limité, qui est faible, comment il veut comprendre avec son esprit faible et limité la réelle nature de certaines choses de l'invisible qui le dépassent? Même des choses du visible, il les comprend pas. Son cerveau qui est en lui, il le comprend pas, l'homme. Ce qu'il ignore du cerveau est beaucoup plus que ce qu'il connaît. C'est dans l'homme, il le comprend pas. Combien de choses devant nous, on les comprend pas. On n'est pas capable de les expliquer, n'est-ce pas? Alors comment la personne, il veut tout comprendre? Ça, ça vient justement de ces croyances d'hérétiques qui ont voulu faire croire que la raison est au-dessus de tout, peut tout comprendre. C'est la raison qui décide si un texte il est juste ou il est pas juste. C'est la raison qui connaît le bien ou le mal. La raison, elle ne peut pas se passer de la révélation. Car la raison, elle ne peut s'appuyer que sur les choses qu'elle connaît, qui sont limitées. C'est à travers les sens. Le toucher, l'ouïe, la vision, l'odorat, le goût. À part ça, il a quoi pour les connaissances qu'il a? Il les reçoit d'où? Comme tous ces sens-là, ils sont limités, comment il peut comprendre tout? Et il comprend même pas ce qu'il y a, comme on a dit, devant lui. Donc une raison qui est illuminée par la révélation, oui. Mais une raison qui veut se mettre juge sur la révélation, non. Car cette personne, c'est comme s'il disait, moi je connais mieux qu'Allah. Je comprends mieux qu'Allah. Donc, comme on a dit, il y a une limite à toute chose. Donc quand ces ambiguïtés lui viennent, quand des waswas le touchent, la première des réactions, c'est top, on arrête. On met un terme à ces questionnements-là. Ça, c'est la première réaction, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Deuxième réaction, qu'il demande protection auprès d'Allah contre Shaytan de lapider. Et quel meilleur protecteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Les shayatin, hommes et djinns, sont des créatures d'Allah. Ils n'agissent que par la volonté d'Allah. Et ils ne peuvent te faire du mal que si Allah l'a décrété. Donc quel meilleur moyen de demander la protection si ce n'est à leur créateur, celui qui dirige l'univers subhanahu wa ta'ala. Troisième réaction, c'est de revenir et de s'accrocher fermement à la croyance et à la foi et de répondre à ces ambiguïtés par la science et par la certitude et la foi. Par exemple dans ce hadith, pourquoi on dit « j'ai cru en Allah et en ses messagers » C'est-à-dire, j'ai la certitude et j'ai cru qu'Allah et ses messagers ont dit qu'Allah, c'est le premier sans début et il est le dernier sans fin. Donc, quand Allah et ses messagers ont informé de cela, j'y ai cru avec certitude. Donc, à partir de là, on a la réponse à cette ambiguïté. Il y a une réponse sûre et certaine qui est la réponse qui est dans la révélation. Allah et ses messagers m'ont indiqué quelle est ma croyance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'il est le premier sans début, qu'il a toujours été et qu'il sera toujours, subhanahu wa ta'ala. Car il est le créateur qui a tout créé et on est les créatures. Qui n'est pas créé, subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà les trois points auxquels il faut s'attacher et que l'on donne comme conseil à toute personne touchée par des waswas. Pareil, quelqu'un qui a même des waswas dans les ablutions. Alors on va lui dire, premièrement, arrête de réfléchir tout le temps, de dire est-ce que j'ai perdu l'eau, est-ce que j'ai pas perdu l'eau, est-ce que j'ai... Arrête. Deuxièmement, demande protection à Allah contre Shaytan lapidé. Troisièmement, base-toi sur la certitude. Tant que tu n'es pas sûr à 100% que tu as perdu les ablutions, tu as les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne qui a demandé qu'il ressent des choses dans la salat comme s'il perdait les ablutions, tu ne sors pas de la salat tant que tu ne sens pas une odeur ou que tu n'entends pas un bruit. C'est-à-dire tant que tu n'as pas la certitude. Jusqu'à certains savants, ils ont dit, tu ne refais pas les ablutions tant que tu n'es pas capable de dire, wallahi, j'ai perdu les ablutions. De même que les savants ont expliqué que la personne qui est toujours touchée par des doutes, il ne fait pas attention à ces doutes-là. Il les repousse et il fait ses ablutions normalement et sa prière normalement et il l'a fini. Il se pose pas de questions. De même que le doute qui vient toucher la personne après avoir accompli l'adoration n'est pas pris en compte une fois que l'adoration elle est terminée. Pardon. Donc, alhamdulillah, Allah Ta'ala ne nous a pas chargé d'une chose que l'on ne maîtrise pas, d'une chose qui est au-dessus de nos capacités, des incitations qui nous passent par l'esprit qu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, il nous a donné un moyen de les arrêter, de s'en préserver et de se soigner de cela. Et effectivement, toutes les ambiguïtés dans la foi, dans la religion, dans la sunna, elles ne se soignent qu'avec la science certaine, la certitude.
qui est basé sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle il n'y a pas de doute. D'où l'importance d'apprendre sa religion correctement et de revenir aux gens de science et questionner les gens de science sur tout ce qui nous touche. Deuxième chose, Allah Ta'ala ne t'a pas chargé de ce que tu ne vois pas ou de ce que tu ne connais pas, comme certains disent. Ah, peut-être j'ai une tache d'urine. Ah, peut-être j'ai fait ci. Ah, peut-être j'ai perdu les ablutions. Ah, peut-être j'ai une tache sur mon pantalon, mais je sais pas. Non, Allah Ta'ala ne t'a pas chargé de ça. Si tu as vu une tache, tu es responsable. Si tu n'as rien vu, même si tu l'as, même s'il y a une tache d'impureté sur ton pantalon, tu ne le savais pas, et tu as prié, tu l'as su après, ta prière, elle est valide. Une fois que tu le sais, tu la laves, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple, alhamdulillah. Donc, il ne faut pas chercher à se rendre compliqué, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en laissant la porte ouverte au wasawis. Dernière chose, et ça c'est très important. Pour éviter d'être touché par les ambiguïtés, il ne faut pas tendre l'oreille aux innovateurs, aux mécréants, aux pervers. Il ne faut pas tendre l'oreille aux gens qui nous ramènent des ambiguïtés. C'est pour ça que l'islam a donné une grande importance au fait de ne pas prendre d'inconnus ou de gens qui ne sont pas de confiance dans la religion. Car ce sont ces gens-là qui viennent te ramener des ambiguïtés. Et il n'est pas permis d'aller écouter tout et tout le monde, puis après chercher les réponses. Non, tu n'as pas à écouter tout court. Tu t'éloignes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un entend parler du Dajjal, alors qu'il s'éloigne de lui, il n'a pas dit il va vers lui. Le croyant, il ne fonce pas vers les épreuves, vers les difficultés, vers les tentations, il les évite. Par contre, s'il est devant, maintenant il demande l'aide d'Allah et il les affronte. Le grand problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est ça. Ils veulent tout tester par eux-mêmes. Ils veulent écouter tout le monde. Et lui-même juger est-ce que cette chose elle est juste ou mauvaise. Après, ils viennent courir derrière nous pendant des heures. Oui, je comprends plus rien. Je sais plus qui a raison, qui a tort. Quand tu seras, barakallahu fik, disposé à écouter les conseils, tu viendras me voir. Tant que tu vas en faire qu'à ta tête, va tout seul. Ne me fatigue pas, ne me fais pas perdre mon temps, barakallahu fik. Ils veulent pas écouter les conseils. Ils pensent qu'ils savent mieux que tout le monde, mieux que les savants, que les étudiants, que ceux qui ont plus d'expérience qu'eux dans le dîn, mieux que tout le monde. Je comprends par moi-même, je juge par moi-même, je vais aller écouter tel égaré, voir qu'est-ce qu'il dit. Yahri, t'as le temps de perdre ton temps avec ces gens-là? Combien de choses y auras-tu dans ta religion? Si tu écoutes que les gens de bien, de maintenant jusqu'à ta mort, il y a plein de choses de la religion encore que tu ignores. Tu as que ça à faire, perdre ton temps à aller écouter n'importe qui, n'importe quoi, et surtout des gens qui vont te mettre des doutes sur ta religion. Certains pieux prédécesseurs, ils disaient, je préfère faire une chose où il y a de la perte de temps plutôt qu'aller écouter un innovateur. Car aller écouter un innovateur, c'est mettre sa religion en danger. Ibn Sirin, rahimahullah, le tabi'i, ce grand savant, il se bouchait les oreilles quand un innovateur il lui récitait. Il a dit, mon cœur, il n'est pas entre mes mains. Je sais pas si demain j'écoute une ambiguïté de sa part, Allah subhanahu wa ta'ala, il tourne mon cœur, et je suis d'accord avec cette ambiguïté. Après, comment je fais pour me soigner? Donc, avant d'en arriver au stade de se poser des questions et d'avoir des ambiguïtés, il faut déjà s'en éloigner. S'éloigner des causes et des endroits et des personnes qui peuvent nous donner des ambiguïtés. Quelqu'un qui nous parle que des problèmes. Ah, il y a une fitna entre tel et tel, il n'y a que tel fitna. Il nous sert à quoi cette personne? Il nous sert à quoi? À part nous mettre des ambiguïtés et des problèmes dans la tête toute la journée. Quel bien il nous amène? Reste avec la personne bénéfique pour toi. Elle t'enseigne un bien. Elle te met en garde contre un mal. Elle te dirige vers les gens de bien. Une personne, tu n'as que du bénéfice avec elle. Dans l'au-delà. Quand on dit tu n'as que du bénéfice avec elle, c'est pas une relation intéressée. Non. Bénéfice dans l'au-delà. T'as rien à gagner financièrement ou de ce bas monde avec. Donc, barakallahu fikum. Premier comportement à avoir, c'est s'éloigner des causes d'être touché par les ambiguïtés. Deuxième, une fois qu'on est touché par les ambiguïtés, voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment repousser les maladies, les doutes et les ambiguïtés qui peuvent lui nuire dans sa religion. Là. On va s'arrêter là, inshallah. On va prendre quelques questions-réponses sur le sujet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Quelle est la différence entre la jalousie et l'envie? En arabe, il y a al-hasadu wa al-ribtatu. Al-hasad, la jalousie, c'est d'espérer que le bien qui touche mon frère
ne le touche plus, qu'il perde le bien dans lequel il est. Peu importe que ce bien il nous revienne à nous ou non, on espère qu'il ne l'est plus. Alors que l'envie, mais la bonne envie, elle ribta, c'est d'espérer et de demander à Allah de pouvoir jouir du même bien que lui là, tout en espérant que lui il garde ce bien là. Vous avez compris la différence? Peut-on en pleine salade demander la protection contre Shaitan si l'ouassouas est trop fort? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté vers cela et a même dit qu'on peut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, mais on souffle avec un petit peu de poustillon dedans à peine. Non. بارك الله فيكم والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما